Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Le petit oiseau. Caillou et Sarah pique-niquaient dans le jardin de Caillou. Regarde Sarah, des fourmis. Pourquoi est-ce qu'elles viennent sur notre couverture? Parce qu'elles veulent des miettes de biscuits. Caillou et Sarah regardèrent l'oiseau. Tu sais ce qu'il a? Il a peut-être une aile ou une patte blessée. Je vais prévenir ta maman. Reste là et fais bien attention à lui. Est-ce que le petit oiseau est blessé, maman? Un chat pourrait l'attraper si on le laisse ici. Oh, tu as très bien fait de venir me chercher. On ne doit jamais toucher un animal qui est blessé. On va le faire entrer doucement dans cette boîte pour le mettre à l'abri. Tiens, voilà. Je lui ai apporté de l'herbe et des feuilles. Ça lui donnera l'impression qu'il est dans son nid. Et voilà un peu d'eau au cas où il aurait soif. Tenez, il pourra manger un peu de pain s'il a faim. Mettez-en quelques petits morceaux dans la boîte. Caillou espérait que le petit oiseau allait bientôt guérir. Je dois m'en aller, Caillou. Je reviendrai voir l'oiseau un peu plus tard. Salut! Le petit oiseau n'a pas mangé son pain, maman. Laisse-lui le temps de se remettre, mon chéri. Caillou était surpris et content d'entendre le petit oiseau gazouiller. Il se demandait s'il se sentait mieux. Maman, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as faim maintenant, petit oiseau? Tiens, prends ce petit morceau de pain et approche-le doucement vers son bec. Non, Gilbert, va-t'en. Maman, s'il te plaît, dis à Gilbert de laisser le petit oiseau tranquille. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il rentre à la maison. Toi aussi, viens, il est l'heure de manger. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur de Gilbert. Je te promets que je te protégerai s'il revient. Si le petit oiseau ne va pas mieux ce soir, on va l'emmener dans un refuge d'oiseaux. Ils ont un hôpital très spécial pour soigner les oiseaux. Et dans cet hôpital, on pourra aller le voir? Oui, on pourra aller le voir. Gilbert l'a peut-être attrapé. Mais non, voyons, Gilbert n'est pas sorti de la maison. Ouf. Caillou, regarde. Ah, il est là. On ne va pas faire de bruit, on va s'approcher tout doucement pour ne pas l'effrayer. Oh non, le petit oiseau, il s'est envolé. Caillou était très triste que le petit oiseau se soit envolé. Tu sais, tu as pris soin de ce petit oiseau pour qu'il puisse guérir. Regarde, s'il peut voler maintenant, c'est grâce à toi. Caillou se sentait tout fier d'avoir sauvé le petit oiseau. Si tu veux, un jour, on ira voir le refuge d'oiseaux tous les deux.